Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. On travaille aujourd'hui les grandes masses musculaires, des cuisses et des fesses avec des grands classiques que vous pouvez modifier pour être confortable. Donc, une chaise bien stable, les pieds juste ici devant vous. Vous connaissez les squats, vous en avez sans doute déjà fait. Mais là, on va s'aider de la chaise. Donc, hop et assis. Et hop, si possible, on va juste toucher et remonter. Toucher. Et remontez. Ramène les hanches en dessous. Touche et remonte. C'est beau. Touche et remonte. C'est tellement important de maintenir la force et l'endurance de nos jambes pour plein de raisons que vous devinez. Mais une des plus importantes, ben c'est pour maintenir notre équilibre. Rester autonome. Rester fort. Garder justement cette endurance si précieuse pour être capable de marcher assez longtemps, danser très longtemps. Allez, on en fait quatre autres ensemble. Quatre, ramène les hanches en dessous. Trois, ramène les hanches en dessous. Deux, en dessous. Et un dernier. Est-ce que vous pouvez redescendre et tenir ici? Six, cinq, quatre, trois, deux, un. Et repos. Bravo! Ça, ça fait du bien. On secoue un petit peu. Secoue les jambes, respirez un peu parce que vous avez sûrement senti votre cardio s'accélérer et c'est normal parce que quand on active des grandes masses musculaires comme ça, ben, notre cœur doit fournir plus d'oxygène pour que ces grands muscles travaillent bien. Donc, c'est sûr qu'on va sentir qu'on est un peu plus chaud, on va sentir qu'on est un peu plus essoufflé et c'est très normal. L'exercice suivant, c'est des fentes. Les fentes, c'est un petit peu plus difficile, mais ce que je vais vous montrer, c'est de les faire en alternance. Donc, je vous laisse récupérer encore quelques secondes pendant que je vous explique. Attendez-moi avant de vous installer, parce qu'on va se servir d'une chaise, juste ici, pour prendre appui. Et ce qu'on va faire, c'est simplement derrière et reviens. Derrière et reviens. Je vous attends. Installez-vous comme il faut. Prenez une chaise, un bord de comptoir, ça peut faire le travail aussi. Et on est debout bien droit. Fais un grand pas derrière, descend avec le genou à 90 degrés et reviens. Descends et reviens. C'est beau ça. Descends et reviens. Si vous préférez, vous pourriez faire la même jambe 8 fois et ensuite, évidemment, l'autre côté. L'autre main, on ne sait pas quoi faire avec, on la place sur nos hanches. Descends. Et reviens. Pense à la posture. Pense au dos droit, droit, droit. À la tête haute. Toujours, toujours, toujours. Et on va en faire quatre. Quatre. Prenez votre temps. Trois. Lentement. Deux. Un dernier. Hop. Et relâche. Tourne la chaise. Et relâche. Respirez un petit peu. Et sentez, remarquez le travail de vos cuisses. Remarquez à quel point ça fait du bien. Vous voulez réveiller ces petites jambes-là. À plus tard tout le monde, bye bye!